Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, il va y avoir du monde. Les gars, j'ai pas fait l'hypocrite. On va tester les meilleurs cookies au monde. Mais j'ai pas fait le diamant, je suis pas venu tout seul, je vous ai ramené. Pourtant, c'est bizarre parce que de base, toi, t'aimes trop ça. Mais je me suis dit, il faut que je fasse croquer mes camarades. Je suis avec Omar. Bonjour. Nouvelle lunette, nouvelle coupe, c'est plus le même homme. Je suis avec Aïssa. Salam alaikum. C'est entre nous. On en est où à part le régime? Franchement, ça se passe bien. Ça se passe bien. Je suis en dessous des 100 là. Montre-nous, montre-nous. Fais comme ça. Fais comme ça, rien. Wow. Les gars, il a séché. Ça se voit. Et on est aussi avec le big boss Ramdan. Le maillot. Est-ce que t'es prêt à manger les meilleurs cookies au monde? Je parle pas. Tu parles pas? Regarde mon pote, tu parles pas. C'est bon les gars, on va dans la voiture, on y va. Allez, regardez, regardez, il est trop pressé de manger ce. Ouais, moi, je suis prêt. Allez, on y va, allez, bismillah, on y va. Dans la voiture. On va, on y va. Non, non, c'est l'autre côté, c'est l'autre côté les meilleurs cookies de France. Allez, je vous laisse monter dans le taxi. On va manger les meilleurs cookies des députés. Il a reçu une mauvaise nouvelle, je te dirai après. Allez, montez les gars, normalement il y a assez de place pour tout le monde. Yassine, avance ton siège, fais pas le gamin. Je sais que t'es député, mais avance ton siège, mon frère. Allez, à tout de suite. Tu vas avancer ton siège un peu, non? Tu veux que j'avance un peu mon siège? Vas-y, mettez bien vos ceintures. Les gars, parce que vous avez tous 45 ans, c'est moi qui vais manger l'amande. C'est vrai. On est arrivé, les amis, devant Big Cookie 77. Les gars, hey, chacun a droit à un cookie. On se calme. La stratégie, c'est quoi? Je mange tout, vous regardez. On avait dit 7 cookies chacun. Oh, 7 cookies chacun. On avait dit 14 pour moi, 7 cookies. Mais non, commencez pas, les gars. Pourquoi je les ai ramenés? Quoi, mec? Oh là là. Non, pourquoi tout pour toi? Salut! Salut, Loïc! Ça va? Bien ou pas? Ah là là les gars, là je vous présente Loïc, monsieur Big Cookie. Comment ça va? Ça va nickel. Depuis, on était déjà venu pour les anciens, rappelez-vous. Salut. Et la nouvelle boutique. Exactement. Incroyable. Parle-nous un peu de la nouvelle boutique. Bah écoute, vous étiez venu à l'ancienne quand on était en mode labo, dans le sous-sol, il y a 2 ans je crois maintenant. Je m'en souviens, ouais. Et là, maintenant, ça fait 1 an qu'on a la boutique, 5 minutes hein, de chez moi à Lagny-sur-Marne. Donc là, tout ça c'est pour manger, c'est ça? C'est ça, exactement. Là, t'as la vitrine. La vitrine. Et là, ouais, c'est incroyable, les amis. Je suis vraiment super content parce qu'on était venu il y a 2 ans. On et maintenant Loïc, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Parce que je sais qu'il y en a plein qui vont vouloir venir. Moi, déjà, je vois des nouveautés. Il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés. Fait que maintenant on fait des cookies. Ah, il n'y a plus que des cookies. Il n'y a plus que des cookies. Il y a un croissant cookie carrément. Exactement. Et je t'ai préparé des petites surprises. Et en plus de ça, donc le week-end, on fait des brunchs aussi. Donc à base de pancakes, avocado toast et tout ça. C'est carré. Et je me suis mouillé, j'ai dit que j'allais dans le meilleur cookie de France. Donc mets-nous bien. Mais là, je suis venu exprès pour toi. Oh, donc, tout ce qu'on va servir, j'ai tout contrôlé. Ok, merci Loïc. Les gars, ce qui paraît, on peut marier Omar, les gars. On va aller dans la cuisine, Déjà, la cuisine elle est collée, c'est incroyable. Et la dernière fois on était venu. Bonjour. Oh, vous cachez. Omar, touche pas au stock. Bon, ils vont se présenter quand même, présentez-vous. Présentez-vous. Une stagiaire. Stagiaire, ok. Deux secondes. En gros, vous faites les cookies, c'est ça? Exactement. Ok, c'est carré bon. Ils sont recherchés par la police, ils sont pas trop difficiles. On va voir la cuisine. Ah ouais, ça a changé, c'est beaucoup. Ah, touche à rien. Ah, t'inquiète, touche à rien. Là, c'est des stagiaires. L'autre, tu t'appelles comment? Ketcha, enchanté. Les cookies sont bons ici ou pas? Incroyable. C'est carré. Bon, en tout cas les gars, vous avez vu, la cuisine elle est propre, tout est carré. Et puis je pense on va bien se régaler. Regarde le sol, t'es concentré, tu penses qu'à manger toi? Non, arrête. Parle un peu, exprime-toi. Mais je m'exprime. J'y bégaye. Qu'est-ce que tu fais? Pause. C'est pas toi, arrête. On voit combien dans tous tes gâteaux tu mets du tabasco? Non, proba 1000. Avec ça? Ok. Vas-y. 1, 2, 3, 700, 800. Non. J'avoue, prêt du tabasco. Parce qu'en fait, ici, il y a du salé aussi, les mecs. Ah. Il y a du salé et du sucré. Ils ont bien évolué. Ça va, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là, on mange les cookies. Qu'est-ce que t'es beau? Non, c'est lui le plus beau. Non. C'est quand tu te maries, Younes? En sérieux, entre nous. Là, ça filme pas. Là. Quand lui, il m'aura laissé, il me laisse pas à chaque fois. Voilà. Non, ça c'est faux, ça. Tu te rappelles pas la fille qu'on avait vue à Action? Je sais qu'elle va passer ici. On peut l'écouter? On peut écouter. En gros, ça m'envoie un message, ouais, tout ça. En gros, elle était intéressée. Moi, je n'étais pas intéressé du tout. Après, on va avec Omar à Action et on la croise. On face to face. Oh, le malaise. Moi, je suis là, je suis mort de rire. Il est mort de rire derrière moi. Après, on a vécu, on est parti loin. Est-ce que tu vas retourner à son Action? Tu vois, Yassine, c'est pas ce mari. Non, Marie, j'ai 21 ans, je vais pas me marier à 21 ans. Et toi, c'est quand je te marie? J'ai 21 ans, on va pas se marier à 21 ans. Ah, c'est vrai. T'avais pas évoqué ce tabou là. Les amis, ça vient d'arriver. On a la première dinguerie, viens voir le croissant cookie. Alors, ça, Omar, il y a un mec dans sa tête, il est dans sa cuisine, il se dit pourquoi pas faire un croissant à un cookie? Comment tu peux penser à ça? Même nous, les pires personnes, on penserait jamais à ça. Donc, Omar, je vais te laisser. Depuis tout à l'heure, t'es que tes lunettes, tu penses comme ça. Vas-y. Tu le sépares en deux, comme ça on va bien commencer. Je le sépare en deux. Sépare-le en deux. Est-ce que c'est fourré? Wow. Oh, fourré au cookie. Ah, regardez, ils ont mis une pâte à cookie. Ouvre le bien. C'est fourré au cookie. Ok. Oh. Allez, Omar.
Les gars, tu vois tout ce que t'as imaginé dans ta tête, c'est ce qui se passe. En rêve, t'as le moelleux du croquant, t'as le croquant du croissant, tu croques, t'as Nutella le cookie. C'est pas une dinguerie. La pâte à cookie, grave. T'as vu la pâte à cookie? Il est content, il sourit, il est au jardin des enfants. T'en penses quoi de ça? Vraiment bon premier degré, c'est bon. Elle est bien cette nouveauté. C'est comme dans les rêves. Attends, faut dire, les gars, il y a des nouveautés, c'est n'importe quoi, genre frites, nous là, c'est tout. Mais ça, tu valides ou pas? Non, je valide. Après, je valide. Si j'aurais des problèmes dans ma vie, croque dans ça, je vais mieux. Voilà. Tellement ça, c'est des problèmes. Ça, c'est des problèmes. Ouais, c'est... Faut faire un choix. Soit la jet ou alors les croissants. Mais je vois de la glace ici. Ouais les gars, ça les gars, oh c'est la nouveauté. La. Ça, ils ont mélangé une pâte à cookies avec de la glace. Je crois qu'ils vendent ça 3€. Je vais te laisser. Je rigole. Oh, je rigole, mon frère. Je rigole. C'est pas grave, bon appétit. Vous nous avez dit des nouvelles. Moi, je reprends. Voilà, c'est encore plus bon que ça. On peut goûter aussi ou... Vous savez, ça fait penser à quoi? T'as vu quand tu prends dans une glace à Gendaz? Oui. Il y a des petits morceaux de cookies, c'est ça. Mais ils sont trop petits à la haie, genre. Et bah là, ils sont gros, les morceaux. Goûte. C'est bien. Goûte. On a... Je rigole. Mais attends, Tiens. Ah, c'est bon, tu peux? Ouais, c'est bon, c'est bon. Tu peux? Je suis pas. Vas-y, goûte, Ramdan. Prends, t'inquiète. Dis-nous ce que t'en penses. On va juste tester comme ça. Ah, pour l'été, ça va être une singerie. Trop pour moi. T'as vu? Ça a pas le goût d'une agendas? J'habite à côté, je prends 4 kilos. 5 kilos. Wow. Bon, là, c'est grave bon. Ça, c'est pourquoi? Ouais. Parce que les fruits, ils sont hyper sensés. Mais il n'y a pas de fruits là, il n'y a pas de fruits. Ah, ok. Là, il n'y a pas de fruits, les gars. Tu es en mode bol de quenelle. Pour l'été, tu as un regoût. Allez, regoût. Mais pour de vrai, c'est vraiment bon, Yacine. Genre, wallah, là, incroyable. Bon, wallah, les gars, sans mentir, c'est des bonnes nouveautés. T'as vu? Ça, pour l'été, je le répète encore une fois, 3 euros. Tu passes, tu prends ton bol. Avec ta femme. Mais non. J'arrive pas, Julien. Pour la peine, je vais faire la troisième nouveauté. Non, voilà. Non, la troisième nouveauté, mais pas ça. La troisième nouveauté est le cocktail fait maison. C'est vrai. Car il faut désaltérer la gorge. On a des cocktails fait maison. Vous avez des glacés ou citronnade, vous prenez. Alors, Loïc, parle de ces cocktails. Ouais, je prends citronnade. Donc, on a citronnade effet glacé. Citronnade, donc c'est à base de citron. On aromatise avec du thym et de la menthe. Oh, pour faire un petit twist, tu vois. C'est pas à base de framboise. Non. Pas ça. Écoutez le thé aussi. Dommage, je suis pas devant une piscine. Là, ça c'est quand t'es devant la piscine. Non, c'est artisanal. Ouais, c'est quand t'es devant la piscine. Moi qui est très fan du citron, c'est délicieux. Ouais, on sent bien le goût du citron. Il y a pas trop de sucre. Pour moi, j'aime pas les boissons trop sucrées. Ça, c'est un bon équilibre. T'as vu, pour bien. Ouais, glacé pareil, pas sucré. Très, franchement, exceptionnel. Ça a quel goût celui-là? Goût. Merci. En fait, c'est juste pour goûter. Ah ouais, c'est artisanal. C'est de l'ice tea en mieux. C'est de l'ice tea en mieux, les gars. Petites boissons là, franchement, elles sont bonnes pour accompagner le tour. C'est sain, c'est léger, c'est tout ce qu'il nous fallait. Ça vient la fin. Je vais t'en sauver. C'est pas mal. Les gars, on a encore un croissant cookie, mais là, il est pas comme l'autre. En vrai, c'est un praliné celui-là. Vous avez vu là, c'est praliné, je crois. En vrai, on va l'ouvrir. Chocolat au lait. Ok, vas-y, je vais te laisser ouvrir. Non, je rigole. J'aime bien faire des blagues aujourd'hui. Ouais, il est d'humeur blague. On a encore cette pâte à cookie avec ce Nutella. Attends, non, c'est marrant, on est duo, on goûte ensemble. Moi, je vais inventer un nouveau mélange. Non. Oh, misère. Oh, misère. Waouh, il commence. Non, ça passe pas. Mais c'est pas du lait. Je confirme, c'est confirmé. Ça passe pas. Ça passe pas. Mais c'est pas du lait. Non, on sait jamais, des fois, ça marche. Non, ça, les gars, c'est bien à part. Tu peux pas à goûter tout seul. Oh, c'est bon. Découpe en deux. Mais là, il n'y a rien. Ah, mais là, crevasse. Dis-moi, coupe en deux. Il n'y a rien ici. C'est moi qui vais. On va prendre celui-là. Il y a un bon goût. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que des cookies. C'est ça qui est bien. Alors, les mecs, vous en pensez quoi? Comme le premier, effectivement. Vous préférez quoi entre les deux? Moi, je préfère celui-là. Moi aussi, je préfère celui-là. Parce que là, on sent bien le Nutella. Wow. T'as capté. On se connaît bien, cousin. C'est pas le chocolat. Non, quoi que lui, praliné, il est incroyable. Moi, je préfère lui. Tu préfères lui? En tout cas, les amis, pour l'instant, c'est des bonnes nouveautés, franchement. C'est des choses que je voyais que sur YouTube, sur Insta et tout. Je suis super content de pouvoir les tester en vrai. Et franchement, c'est bon. Là, on a un. C'est avec de la pâte à cookie à l'intérieur. Un bouquet. Brownies avec de la pâte à cookie. On dirait une PSP. Qui a connu la PSP? Moi-même. C'est la PSP. Et c'est la première, c'est pas la Vita. Hein. Oui, c'est la première. Attends, mais maintenant, j'ai une question. On le coupe lui ou pas? Bah oui. Ok. C'est légendaire. Waouh! Ok, ah, c'est des bouts de cookies, ils sont là les bouts de cookies. Ils sont là les bouts de cookies. Okay. Elle est chaude. On va quand même goûter.
chaud. Il est chaud ? Ouais. Toujours le c'est pas grave. On est plus ni. On est bien. C'est ça le plus important. Franchement, là, ce que je pourrais te dire, c'est que c'est pas sucré à fond. T'as pas, ça, je vous dis la vérité, il faut le manger avec du lait. Comme ça, ça passe. Mais avec du lait, ça devrait être mieux. Ouais. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, il y a des bonnes noix et tout. Les noix elles fondent. Normalement, un bon brownie. Bien moi, c'est un mélange avec de la glace. Voilà comment je t'aime bien, cousin. Tu dis mes idées. Allez, Younes, tu veux tester avec moi ? Tu sais, ça me rappelle trop. Waouh, ça me rappelle quand elle est partie en Turquie. Après, quand t'avais pris tous les gâteaux. Eh, c'est un fou, ils avouent ça. Avec des glaces. Bon, ça ne dérange pas, je finis lui. Ça vous dérange ? Ça, c'est le combo. Finis-le. T'as vu le combo ? Et à ce qui paraît, les gars, il y a encore une dernière surprise. Waouh. Comme je me suis dit que vous avez faim, c'est qu'il faut faire des gros formats. Mais je voyais marqué pizza. Bah ouais, mon gars. Pizza ? Mais les jambons champignons. Ouais ! Wesh les gars, pizza cookie. Mais c'est incroyable, elle est super. Et les gens ils peuvent venir la commander s'ils viennent manger là? Ouais exactement. C'est soit tu peux commander le matin pour l'après-midi ou alors la veille pour le lendemain. Oh là 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 là. Ah les gars, signez-vous, calmez-vous. On va partager. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Ça c'est pistache. C'est ça. Ça c'est beurre de cacahuète et chou, praliné et caramel et Nutella. Oh là là. Moi je sais c'est quelle préférée. Vas-y, praliné. Ah franchement, presque ça. Parce que la dernière vidéo, c'était exactement ça. Mais j'en ai trop mangé maintenant. Ah, c'est le genre de cacahuète. Ah, okay, mais t'étais dans le vrai, t'étais carrément dans le vrai. Merci beaucoup, Loïc. Bah, on aura tout vu sur la cote familiale. Pizza ou cookies, les amis. Donc là, il va falloir faire notre choix. Allez, moi, j'ai envie de me lancer pour. On goûte tout. Vas-y, on goûte tout, il a raison, je me lance pour tout. Prenez votre part, les gars. C'est là où vous avez des palettes chameux. Première quoi, c'est quoi vous avez des palettes chameux. Beurre de cacahuète, je vais les prendre. Beurre de cacahuète, il est juste là, vous allez, je sais pas où. Chacun votre pas en même temps. D'abord Omar. Pourquoi d'abord lui? Parce que c'est à gauche. Praliné caramel. Ok, praliné caramel, c'est parti, Omar. Vas-y, goûte. Allez. Wow. Oh là là, le sauvage. Oh mon dieu. Déjà, tu vois qu'il y a beaucoup de Nutella parce qu'il fait comme ça. Quand tu fais ça, c'est qu'il y a trop de Nutella, ça tient le palais. 10 sur 10. 10 sur 10. Moi, je vais me lancer pour la pistache. Allez. Moi, je vais pas faire la même erreur que lui, je le mange pas comme ça. Ah, voilà, un connaisseur. Pour la langue. Comme voilà, ça. Comme ça, le. C'est... Le gâteau il est vraiment super bon au fond là. Et là-haut le nappage avec le chocolat blanc, pareil je mettrais 9 sur 10. Ah bon, parce que ça c'est une bonne nouveauté en vérité. Nan, tu vas tester laquelle? Celui-là, beurre de cacahuète. Ok, c'est parti. Ah, beurre de cacahuète comme moi. Ouais, comme toi. D'accord. Il est bien généreux le beurre de cacahuète. Enfin on peut manger ça en vrai. Le mélange sucré salé est incroyable. T'aimes bien toi aussi, t'as vu le gâteau en bas comment il est bien, il est pas trop sucré. Ah, tu t'es lancé toi aussi. J'ai pris pareil et c'est pareil, c'est bon. C'est la frappe. Il y en a un que vous avez pas encore essayé. Lequel? Lui là, ouais, le Nutella. Attendez, non, attends, attendez, on va faire un truc, attendez, moi et Omar. Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais je te conseille de prendre beurre de cacahuète et Nutella. Non, non. On a dit praliné et Nutella. Non, non. Un double maxi chocolat. C'est pas une beurre de cacahuète encore. C'est des cookies, c'est pas une pizza. Je sais, arrêtez. C'est juste pour essayer un truc. Vous t'en promets. Dis rien. Laisse-moi goûter. J'ai vérifié la pris un kilo. Oh, ça a l'air incroyable. Waouh. Essayez, vous aussi, essayez. Non, j'ai pas essayé. Essaye, Ramdan, essaye, n'aie pas peur. Il y a plus de saveur là-haut. Essaye, tu vas voir que ça va être incroyable. Ça a l'air incroyable. Une bouchée, tu prends 500 grammes. On est en train de faire une crise d'épilepsie. Je vous promets, venez tester par vous-même. Vous allez dire qu'on abuse, mais venez tester par vous-même. En plus, c'est des prix vraiment plus bas que ce qu'on peut voir à Paris. Vous allez voir, je vais vous mettre l'adresse juste en bas dans la description. C'est à Lannion dans le 77. Il y a des places pour se garer et tout. Tu viens ici, une petite après-midi, tu fais très bien. Arrête, vous n'avez pas encore testé celle-là toute seule. Garde sur la rue Gambetta. Merci de me l'avoir signé. La Nutella. Tu veux essayer, Yassine? Non. Pourquoi? Moi, je suis au régime. Ah ouais? C'est ma préférée. Ah ouais? Ouais, c'est ma préférée. Elle est trop bonne. Beurre de cacahuète, c'est la meilleure. Mais t'as testé beurre de cacahuète tout seul? Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que pour l'instant, c'est les meilleurs cookies qu'on a testés? Bah, comme la dernière fois. Ouais. Comme la dernière fois. Franchement, ouais. Pour nous, les gars, c'est l'adresse qui fait les meilleurs cookies. Et en plus, les gars, Loïc derrière, il est super gentil. Vous avez vu, il y a plein de personnes qui vont vous accueillir. Ouais, s'il te plaît, j'arrive tout de suite. Regardez. Yassine, viens. Tu crois que j'arrive tout de suite? Non. Ah, ouais, bien, bah. À ce point-là, Omar. Voilà, je bloque. Là, je t'explique, Loïc, je suis obligé d'en laisser un peu pour ma petite sœur Muriel. Elle m'a dit, Younes, si tu me ramènes rien, t'es un homme mort. Donc, je suis obligé de lui apporter quelque chose. Je tenais à te féliciter. Parce qu'en 2 ans, ça a toujours été aussi bon. En plus, tu fais des nouvelles choses. Franchement, tout le monde va être content de venir. Et dis-nous, le mercredi, il y a un petit truc sympathique. Tu voulais nous en parler? Ouais, c'est ça, exactement.
Exactement, parce que ma femme, du coup, on vient d'avoir une petite fille, donc elle est plus en opérationnel à la boutique. Félicitations. Mais maintenant, elle fait des ateliers à partir de 18 mois jusqu'à 30 et ado. En gros, c'est les mercredis et les samedis. Et spécialement, pour ceux qui ont regardé cet épisode de la Côte Familia, c'est 20€ pour 1h30 par an enfant. Et du coup, vous avez 5€ de réduction. Les gens chez eux, ils peuvent faire un cookie après. Ouais, ils voient exactement. Masterclass, vous venez de notre part, 5€ de réduction. C'est ça. 20€ le 25 juillet, vous venez de la part de Younes, ne vous inquiétez pas. Tous les mercredis. En tout cas, merci beaucoup, Loïc. Et d'un côté, moi, j'essaie de faire des jets. Comment je vais faire maintenant, Loïc? Comment je vais faire? Je tiens à dire un petit truc. C'est vrai que depuis 2 ans, t'as vu, à chaque fois, je t'ai envoyé des DM et tout ça. Imagine. Parce que à chaque marché qu'on fait, il y a des petits qui viennent qui disent ouais, est-ce que tu peux appeler Younes ou Yassine et tout. Et moi, je dis, bah les gars, je peux pas la faire comme ça, tu vois. C'est vrai qu'à chaque fois, je te fais des vidéos. Donc les gars, si vous voulez, vous venez et on peut faire une petite vidéo que je peux lui envoyer. Bien sûr. Mais c'est un homme pris, 1 million d'abonnés. Il n'est pas dispo H24. Il est pas marié encore. Mais bientôt, bientôt, les gars. Il est pris. Pas marié. Il est pris par la prise. Bon, en tout cas, les amis, c'est un immense plaisir de venir avec Loïc ici. On vous attend nombreux. Je vous mets l'adresse juste en bas dans la description. Je vous l'appuie juste. Mettez un maximum de likes pour lui. Et merci encore beaucoup, Loïc. Ah bah merci, frérot. À bientôt, j'espère. Salut, les gars. C'est vraiment cool qu'on allait oublier Myriam. Myriam, on t'a ramené un cookie au Kinder Bueno. Par contre, nous, on a mangé une pizza. C'est incroyable. Vous m'avez ramené que ça? Ah, tu dis déjà qu'on t'a laissé un cookie, c'est incroyable pour le... Tu m'as ramené la pizza? C'est Omar qui l'a prise.